Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Beastie Ball, un jeu qui mêle Pokémon-like, ou alors je ne sais pas s'il y a une partie capture, mais en tout cas il y a une partie gestion de monstres. Mais ça se trouve, ce sont juste des joueurs professionnels, et pas des monstres qu'on capture dans la nature. Donc du coup, gestion de monstres et d'équipe. Et du coup, tour par tour, RPG tour par tour, hein, vu qu'on va lancer des attaques. Attaque! Comme dans Jeanne et Serge. Très bien. Oh là là, on voit. Ah, mais en plus, c'est Gouin. Gouic. Et l'autre, le Pokémon. Je suis sûr qu'on peut retrouver des Pokémon là-dedans. Select this once, you are satisfied with the setting below. Change the menu color, sunset, spring, cupcake, bakery, notebook, cream cycle, a gold flower, bubble gum, game boy, forest robot, putain, quel enfer. Heartbreak, sweet dream, sweet dream. Lequel vous pète moins les yeux? Oh, le sunset était bien. Les trucs par défaut, moi j'aime bien les trucs par défaut. Speedrun, maintenant c'est bon, je pense que tout ça on s'en fout. Victory option. To instantly wins. Ah merde, on en est là. Bon alors du coup. Le body. La tête, le top et le bottom. Est-ce que vous êtes plutôt top ou bottom? Ok. Wow. Ah, mais un éditeur de personnages bien plus complet que Baldur's Gate. Hein. Tout le monde s'espante de voir Baldur's Gate, mais Baldur's Gate, c'est de la gnagnotte. Hein. Voilà. Par contre, la musique, là, elle est... Ça te donne envie de sortir de l'éditeur de personnages le plus rapidement possible. Qui choisit des nez en forme de patate Qui trouve ça beau? Bah, ça, à la rigueur, ça peut ressembler à un truc un peu à un nez astro. Il a pas de nez astro. Moi, je trouve les nez... qui ont une certaine... Regardez-moi ça. Qui? On dirait des nez de méchants. C'est des nez de méchants, ça. Ça, c'est un nez de souris, voilà, tiens. C'est parfait. Enfin, pourquoi il met des coups de hanche comme ça? Il s'entraîne à quoi? Ça, c'est quoi? C'est censé être la couleur de quoi? De quelle partie de mon corps? De mon body, mais... Mais quelle partie de mon corps est de cette couleur-là? Vous voulez dire que quand j'enlèverai mes vêtements, j'aurai pas la même couleur de peau? Ah non, c'est la couleur de mon nez. Mais du coup, j'en ai rien à branler parce que. J'ai pas de nez. Attendez. Mais non, mais quel est l'intérêt d'avoir un chapeau comme ça si c'est pour tout mettre dans un. En dessous d'un couvre-chef? Face wear. La moustache. Oh, il y a du swag hein, quand même. Hein. La barbe à la Lincoln de ses morts, des lunettes, le masque évidemment, IP3 2FG, la petite cicatrice Shonen, les lunettes du swag, hein, mais la moustache tous les jours. Ça fait très coach en plus. Et la moustache fait pas coach, faut pas la mettre rose, hein, sans avoir l'air complètement stupide. Ouais, c'est pas mal. Manque plus du cuir, alors c'est parti, la salopette en cuir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Woody cette merde? Non, très bien. Oh là là, ah mais je l'ai! J'ai le même! le t-shirt avec un sort de dégradé un peu moche. Non, en vrai, ça fait bien, ça fait un genre. Ça fait gents. Les autres, ça fait. Non, c'est horrible. Tout est horrible. Ça fait futuriste d'avoir un cône de... On dirait un peu les cônes pour les chiens, là, pour qu'ils évitent de se gratter. Est-ce qu'on continue à full rose? Peut-être un peu trop, en vrai. Oula! Ah oui, c'est vrai que c'est la couleur secondaire.
Non, le vert et le rose se marient très bien. Peut-être du vert plutôt sapin que du vert fluo de ses morts. Attendez. Attendez, je réfléchis à la question. Quel enfer! Comment satisfait de ça? Neckwear. Ah, le fameux sifflet! Le sifflet de beauf! Mais le sifflet, il est rouge. Et du coup, en bas, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre un short ou alors la version longue pour cacher ses magnifiques mollets. Je vais aller avec ce verre. Ça passe aussi. On dirait une combinaison de plongée à force, hein, mais. Violet, j'aime bien aussi. Oh, short, ça fait horrible. Putain, mais regardez-moi ça, comme ça me boudine mes cuisses. Mais après, on est un genre de beach volley, donc si on met pas un. Oh mon dieu! Ouais, c'est parti. Ah, pieds nus! Parfait! Allez! On va mettre un pantalon! Ah, on a un téléphone pour capturer les Pokémon, c'est comme Shin Megami! Mettre un pantalon. Ah, bah le short. C'est même pas un short là. À ce niveau-là, c'est un legging, mais bon. Un legging crop. Bon, le téléphone, il faut qu'il soit rose là. Y'a rien qui est rose. Enfin, télécommande au bout d'un moment. À part moustache. J'ai le téléphone à raccord avec ma moustache. Mais y'a même pas le même rose que ma moustache. Moins de couleur pour le téléphone. Oui, bon. On s'en fout du pronom. Je m'appelle Il. Alors du coup, Ricrac. On s'en fout. Non, je sais qu'il y en a qui en accordent de l'importance. C'est bien de proposer au moins l'option. Coach Clodo. Très bien. Je pense qu'on est bon. Ah, pause animation. On aurait pu... mais à ce moment-là... C'était beaucoup plus clair. Très bien. Eh ben non, je croyais qu'il y avait une cinématique, mais en fait pas du tout. C'est pour ça le genre PLS. On dirait qu'il ramait un peu, ouais, mais là c'est ultra fluide, c'est ok. Switch off. Switch on. Ah mais regardez-moi ça, c'est un feu de camp pour combien de personnes? Pour brûler un... C'est pour retirer une... Un mammouth? Là, un Pokémon! Un mec qui a encore moins de soi que moi. Mais lui, il a un vrai short. T'as dit que moi, j'ai vraiment un legging, quoi. Ball Shroom. Hey! Ah, vous savez que... sais-tu que les enfants ne sont pas supposés à... In the preserve. Dans la... Comment on appelle ça là, une réserve animale. The preserve. Vous n'êtes pas supposé être là. Mais... je vais garder ça secret. Hein? Si toi aussi tu le gardes. Mais oui, parce que c'est un enfant lui aussi. Ah, regarde, j'ai trouvé des bustis ici. C'est comme à la télé, ils veulent jouer à un jeu avec nous. Tu veux jouer toi aussi? Lequel est dans ton équipe? Axolati, esprit de feu. Il aime devenir plus puissant. Kishik, on dirait un Pokémon de combat du coup, on va dire. Point body, focus. Il aime frapper la balle. Et Bidit. Il est mind-focused et esprit. Il adore faire des passes. Alors moi, je le trouve lui le plus choupi. Déjà un axolot là. Trop choupi. Esprit de feu dans tous les cas quoi.
Toujours. À part, vu que c'est la démo, on pourrait montrer quelqu'un d'autre. Dans le jeu complet, on fera l'Axolotl, mais qui sait si on fera le jeu complet et quand est-ce qu'il sortira. Voir les détails. Ah, on peut voir les détails. Du coup, il est calme. Donc, sa vibe définit comment il s'exprime et comment ils interagissent avec les autres beasties. Cela n'impacte pas ses stats ou sa force globale. Là, je suis sur mon téléphone rose. Pour le recruit, du coup. Et donc, il a un pep shot, une attaque qui a 40 de puissance. Ah non, il se booste lui-même. Et il a le cheer, du coup, le sifflet. Il booste et le point et... Du coup, les griffes. Ah ouais, du coup, il y a point, griffe et esprit. Du coup, quelle est la... c'est quoi ce griffe? High Spirits. Son attaque, du coup, griffe augmente de 50% lorsque sa stamina est en dessous de 34. Bon, bah, faudra voir ce que c'est ce symbole en V là, par rapport au point. Ok, je recrute. Ils sont tous trop mimi. Ok, let's go! Le téléphone rose. Oui, ici le téléphone rose de Rickrack. Bonjour. Alors, ton axolotl est le premier à servir. Les humains doivent rester en dehors du cours et agir en tant que côte. C'est l'axolotl et choisit une attaque. Ok, c'est toi qui choisis. Donc, du coup, X details. Donc là, ok, on a une vue un peu plus aérienne. View plays. Pep shot. Ah, donc du coup, si je joue pep shot. Vu qu'ils sont en backline, mais alors pourquoi je fais plus de mal à celui qui a... Bon bref, tout va bien. Speedball. Ces nombres sont des estimations de combien de dégâts ton attaque va infliger. Est-ce que c'est pas trop fort? Parce que moi, ça est en train de me briller les oreilles, mais moi, je peux le diminuer. Ok. Choisis une des colonnes pour cibler. Fefe ou Fefe. Du coup, autant prendre celui où on fait le plus de dégâts. Bon, mais non, il l'a interrompu. Après ton attaque, tu peux aussi choisir du coup ton action de défense. Ah oui, mais si, il l'a interrompu au prix de moult vie. Sois prêt. Parce que c'est notre tour d'attaquer. La défense. Donc du coup... On peut choisir les détails, view plays, move. Move to a selected space, block. Can't be used in the back. Ah, ça fait genre le mur quoi, en mode volley. Bah là, du coup, il faut que je move. Soit je move là, soit je move là. Mais je sais pas ce qu'il va faire dans la vie. Je veux bien move, mais je me mets devant. Ah d'accord, lui il a fait une passe. Il se refait encore une passe. Oh là là! Mais j'ai esquivé! Ah mais non, j'ai esquivé, mais du coup, j'ai oublié! C'est pas la balle prisonnière, c'est le volet! Si jamais tu laisses la balle frapper une zone non défendue, c'est la défaite assurée! Je pense que tu as besoin d'un second bici. Oh, regarde, un autre! Spreco! Ok, on l'a refait! Et chez Kishik, du coup, il a toujours pris la max. Et ça, c'est fort. Ah, du coup, voilà, on est de retour en défense. Mais comment je sais où est-ce qu'il va attaquer? J'en sais rien, c'est du pif, non? Il attaque forcément à l'arrière. Il va pas attaquer devant. Ou alors il va forcément attaquer là où il y a Spreco. Et du coup Spreco va se prendre la max. D'ailleurs qu'est-ce qu'il s'est fait à Spreco? Le careful shot. Une attaque d'esprit. Le support, du coup le call out. Mais on peut pas l'utiliser pendant la défense. Le bloc on peut pas l'utiliser. En fait les seuls trucs qu'on peut faire c'est move. Et move au pif. Bon bah moi je bouge. Du coup voilà Spreco il a reçu le truc. Ah c'est ton tour d'attaquer. Vas-y, contrôle la balle. Les beasties
reçoivent et infligent des dégâts boostés lorsqu'ils sont proches du filet. Essaye d'attaquer de la première ligne afin de faire un meilleur coup. Un coup plus puissant. Speedball, volley. Basic volley. Une passe quoi. Passe! Attaque! Et là, du coup, 72, il meurt. Ah oui, c'est ça le Beastie Ball! Beasties adorent tous jouer à ce jeu. Ils sont pratiquement nés pour ça. Et voilà, ils sont bons. Allez, salut! Et je m'appelle Riley, au fait. Je n'ai jamais vu d'autres enfants dans la préserve, peu importe ce que ça veut dire. Tu habites dans le coin? Tu veux voir des vidéos avec moi? Je suis pas ton pote, et déjà je suis pas un enfant, j'ai une moustache, donc tu vas te calmer tout de suite. Attends! Tu ne regardais pas? Ok, je rembobine. Hey, tu vois? C'est la manière dont Red a gagné... a gagné la Crown Series. Ma famille la regarde tous les ans. Je n'ai jamais vu un match aussi épique. Et savais-tu que Red appartient à Little Town comme nous? Wrong coaches. Ah oui, les coachs classés sont vraiment les plus cool. Ah, Red, oui, pardon. Red, mais avec deux D. Donc, du coup, c'est comme dans Pokémon. C'est Red. Du bourre-palette. Des années plus tard. Du coup, je savais pas si c'était une fille ou un mec. Ou aucun des deux. Mais c'était quoi ça? Ah, j'ai bien grandi, hein. Maintenant, j'ai des gros mollets. Et j'ai toujours ma moustache, par contre. Moi, on m'a juste fait un scale sur mon sprite. Mec, c'est l'habitat des Beasties. Ce spot est toute notre enfance. Comment as-tu pu? C'est le projet de la ligue des Beastie Ball, madame. Ah, donc du coup, en fait, c'était une fille depuis tout le temps. Elle a pas beaucoup évolué au niveau... mais ok. Une fille. Prends-toi-en à la ligue. Ou plutôt, représentant de la ligue. Moi, je ne sais rien. La ligue de Beastie Ball? C'est crack, c'est sérieux! Et si c'est la ligue, on ferait mieux d'aller trouver Red. Tu es le coach assistant, il t'écoutera. Allez, de retour en ville, à droite, direction le Beastie Ball Center. Donc, c'est Riley. T'arrives pas à le croire, la ligue pense qu'ils peuvent détruire cet endroit. Les Beasties doivent être effrayés. Red doit nous entendre, entendre tout ceci maintenant. Construction Moe. C'est ton ami? Est-ce que tu peux pas la raisonner? C'est les affaires de la ligue, on peut rien y faire. Et je vais avoir des soucis si elle ne se barre pas maintenant. Waouh! Ah, ça fait un peu Paper Mario! Ok. Toujours avoir un ballon avec soi parce que c'est mon meilleur ami! Comme dans. Bien! À l'école des champions! Ok. Les capitalistes, oui, faire des bâtiments, détruire la faune et la flore, les habitats, ça, tout ça. La ligue s'empare de la préserve. Bon, mais attendez, on va chercher ce que c'est parce qu'on va devoir le traduire moult fois. Une réserve, du coup, c'est un. Comment on appelle ça? Un truc protégé.
Il était bien costaud. Préserve, ça veut dire préserver, maintenir, contenir, garder, entretenir, la conserve, la chasse gardée, la réserve. Ah, la réserve alors. Oh oui, doucement. La réserve, ça existe. La chasse gardée. C'est quoi une chasse gardée? Bon, la réserve, ce sera. Je suppose que cela devait se produire. On n'est pas vraiment la ville réputée pour son Beastie Ball d'antan. Enfin bref, on a perdu notre réputation quoi. Nous sommes juste une ville de losers. Super. Une ville perdante de perdants quoi. Il a insisté sur loser moult fois. Oh tout ce tintouin venait de la réserve. J'y ai fait mon footing ce matin. Le meilleur, c'est lorsque les beasties commencent à courir avec toi. Mais, ces beasties n'auront peut-être plus de maison maintenant. Jackie! J'arrive pas à le croire. D'abord, ils arrivent et ils détruisent la réserve. Et ensuite, ils bloquent la... La sortie de la ville, ça sert à rien. Ils arrêtent pas de me rappeler que je sais pas sauter. Et parce que du coup, j'en ai marre de ces gens de la ligue. C'est pas parce que notre équipe de sport pue la merde que nous ne sommes plus une ville. Et il y a plus de choses, enfin il y a d'autres choses dans la vie que le Beastie Ball. Les infos de la réserve. Bienvenue à la réserve naturelle de Rutil. Oui, le rocher, le jardin rocher, The Rock Garden, je sais pas ce que ça veut dire. Oui, donc ce truc que vous avez devant vous est un modèle à l'échelle de la réserve naturelle. Où vous pouvez vous y aventurer droit devant. Cette réserve est un habitat vital pour les beasties et a été maintenue pendant des générations avec un minimum d'intervention humaine. Nous vous remercions de traiter ces terres avec respect. À travers la réserve, vous allez trouver moult beasties assez peu fréquemment vus. Il n'est pas dangereux de les observer car ils ignorent la plupart du temps les humains. Cependant, faites attention lorsque vous récupérez l'un de ces champignons noirs et blancs en forme de boule répartis dans la réserve. Certains beasties pourraient prendre ceci comme une invitation à jouer à Beastie Ball. Seuls des coachs entraînés doivent s'engager dans ces activités de Beastie Ball. Chop se dit en bas à droite, l'ornithorynque licorne œuf. moi j'aime bien les ornithorynques, je trouve que c'est mignon. Bon, ça ressemble à des canards, mais en mignon. Wow! Spreko, dessiné ici, est l'un des beasties les plus rares que tu peux trouver dans la réserve. Oh! On a eu un Pokémon rare avec nous. C'est parce que c'est une espèce en voie de disparition. Les Spreko ont des corps gluants et ramassent du coup ainsi les détritus de la forêt lorsqu'ils se déplacent. Différents Spreko préfèrent collecter des baies différentes. On peut du coup savoir quelle est leur baie préférée en regardant celles qui sont collées à leur queue. La plupart des baies qu'ils collectent sont évidemment pour se nourrir. Mais parfois, ils en plantent aussi, faisant d'eux des jardiniers de la nature. Ok. Donc du coup, il faut pas polluer. On peut zoom, zoom, zoom. Waouh, 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 on peut toujours plus zoom. Des bêtises. Sign and garden maintained by the Realty Town Board. Ouais, bah c'est cool. Raymond, c'est Raymond. Il y a des problèmes avec la ligue. Oh, il n'y a pas de quoi s'en faire. Les étoiles de Rutil étaient des champions. La ligue
ne nous embêtera pas. Le coach Red reviendra et jouera un match de Beastie Ball mémorable afin de sauver la réserve. Ah, ça fait si longtemps. C'est l'auberge. Oh, bienvenue à Rail House. Se reposer et se soigner pour 20,00$. C'est exactement la somme qu'on a. On peut se barrer. Le vieux qui fait des pancakes avec une clé anglaise dans la poche. Parce que pourquoi pas? Bloqué. S'asseoir sur les bancs. On aime s'asseoir sur les bancs. C'est le centre Pokémon? Ou la ligue. Oui, 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 oui. Merde. Oui, 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 oui. Ah, mais je sais pas balancer une balle en l'air, hein. Mais c'est des raids. Ah, oh, merde. Hey, Récrac, tu veux frapper la balle? Hein? Un projet de la Ligue dans la réserve naturelle? Oh, oui, ça doit être... un truc dont personne m'a mis au courant. Oui, bien sûr. Ah, oh, c'est bon. Je pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement. Mais ok, c'est vrai. La ligue de Beastie Ball est en train de construire un stade afin de barre dessus notre réserve. J'ai essayé de protester, mais on n'a pas vraiment notre place dans la guilde ces temps-ci. Et c'est la faute de qui? Hein, peut-être que si tu étais le champion du passé d'antan. Ouais, notre ligue maintenant elle pue la merde. Et ça veut dire que la ligue elle peut faire ce qu'elle veut avec nous maintenant. Ouais, on est dans ce pétrin parce que tu as arrêté de gagner. Toi, j'aime pas dire, mais nous avons besoin d'un nouveau coach de Beastie Ball. Quelqu'un de frais, excitant, qui pourrait... qui peut faire des efforts parfois. Comme Récrac. Ah oui, Récrac, mais il n'a même pas de Beasties. L'assistant du coach? Oh, c'est juste un enfant. Eh, c'est pas sympa. On est plus des enfants maintenant. Et Crack et moi, nous avons grandi accompagnés des Beasties toute notre vie. Je sais qui peut le faire. Nous devons essayer, n'est-ce pas? Red? Et Crack, prends ceci. J'ai obtenu deux Jazzy. Les Jazzy sont faits de matériaux spéciaux. Spéciaux pour les Beasties. Si un Beastie accepte un de ses jerseys de ta part, alors vous serez camarades. C'est pas si simple, mais peut-être que tu pourrais trouver des Beasties amicaux dans le coin. Mais tous les Beasties se sont enfuis lorsque la machine est arrivée. Alors il faut peut-être se diriger vers le nord. C'est sûr que tu trouveras une équipe là-bas. Ouais, je suis pas aussi bon que je l'étais, mais j'ai bien compris. Mais être un coach classé, c'est pas facile. Et tu peux pas juste te promener avec des jerseys officiels. Et t'attendre que les Beasties rejoignent ta team comme ça. Je pense que tu es un bon gamin. Mais à mon avis, tu n'es pas encore prêt. Curl. Ouais, je sais qu'on admirait Red. Et je sais qu'il t'a beaucoup aidé, Récrac. Mais tu dois admettre, il est devenu un coach nul à chier. Hey! Il est temps de prendre les sauts en main. Et en plus, tu dois admettre que ça va être si cool que si tu deviens un coach classé toi aussi, non? Ah, ça me rappelle l'aventure Dodgeball Academia. C'était une belle aventure aussi. Oh. Ah, ces idiots de la ligue ne savent pas ce qu'il faut. C'est toujours construire, construire, construire. Mais attention, flash info.
Les Beastie Ball, ce sont les Beasties qui jouent au Beastie Ball. Si vous détruisez leur habitat, eh bien, il n'y aura plus personne pour y jouer. Canavidio, non. J'ai descendu un peu vite. Ah, ils ont des nouveaux dialogues, mais bon. On va plus leur parler. Hashtag 10. Voilà. Les Beasties sont excités à cause de... sont énervés à cause de la construction. Ils n'autorisent aucun humain à passer. Oh, ils ont remarqué tes jerseys. Ils pensent que tu dois être un coach. Peut-être qu'ils te laisseront passer. Mais est-ce qu'on a envie de capturer ce truc-là? Il va falloir choisir notre équipe. Hein. Donc on a lui. On a l'oiseau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu es? Ah, on dirait un sort de marsupial. Il est mignon aussi, hein. Mais l'oiseau, il est stylé. On capture tout. Mais attends, mais il nous a donné deux jersey. Il nous a pas donné 700. Ah, ils veulent voir d'abord ton autre Beastie. Un opossum, plutôt. Oui, voilà. C'est ça que je voulais dire, évidemment. Bah, je vais retrouver mon Pokémon de feu, j'espère. J'ai pas choisi un starter pour rien. Ah, puis il y a le légendaire aussi. Avec le Pokémon de feu, justement. Ce Beastie a l'air... familier. Comment on appelle ça? Ces Beasties te reconnaissent. Ce sont ceux qui ont joué avec toi pendant toutes ces années. Ils savent que tu es ici afin de protéger la réserve. Ils veulent faire équipe avec toi. Tu leur donnes un jersey et... Oh oui! Axolotl! Edit number. Edit number? Ça. Ah d'accord, on peut lui dire que c'est plus le number 1, on peut dire que c'est le number 0. Ah mais le number de la team? C'est ça? On peut le renommer. Mais bon. On va voir si on pourra les renommer plus tard. Espréco du coup. Celui qui a la queue gluante et qui colle toutes les baies qu'il y a dans le coin. En fait, il attrape toutes les maladies du coin, quoi. Maintenant, tu es un coach. Oui, le numéro, ce sont Jazzy. Oui, voilà, les Jazzy, ce sont les maillots de l'équipe, évidemment. C'est un paupier. Bon, du coup, je peux te capturer maintenant ou pas? Maintenant que tu as une équipe, rencontrer du coup un Beastie sauvage veut dire que tu veux jouer. Du coup, c'est Fren et Shuga. Un Shuga bébé. Shuga, Shuga daddy. Ok. Ils sont trois, mais parce qu'il y en a un qui est en support. Il va pouvoir encourager ses potes. All must be saved. Du coup au début j'ai pas le choix, je suis obligé de pep shot. Ou alors la lancer doucement. Mais le pep shot de toute façon ça me coûte rien, donc pourquoi j'aurais pas envie de balancer la max déjà? Ah merde, il s'est dépassé. Ah mais il le prend quand même dans sa gueule. Ah il a pris la max. Et je suis tout content, Axolotl est super content. Sa puissance a augmenté et donc du coup là il va attaquer, mais alors c'est là où j'ai pas compris. Comment je sais où est-ce qu'il va viser? Ah mais non, parce qu'il vise dans une colonne forcément. Donc s'il vise dans une colonne où je suis pas, dans tous les cas je le prends. Je peux pas être, voilà, je peux pas aller en diagonale. Dans ce préco il pourrait avancer. Quel est l'intérêt d'avancer, mis à part prendre plus cher? Supportive, soigne 20 de stamina à un allié, that tags in for them. Donc du coup, il peut y avoir des gens en réserve, comme l'autre. Et lui, du coup, son attaque est plus puissante lorsque sa stamina est faible. Donc stamina égale HP.
Il a 10 partout, mais en défense, il a une meilleure défense. Parce que ça veut dire, mais ok. Et du coup, on continue à faire le même move, c'est-à-dire qu'on envoie Axolotl devant. Ah, mais si, il a bougé quand même de colonne. Pas le droit quand même. Use bump. Bim! Ah, spray cool, il a la nuque cassée. Alors on détruit tout. Bam, Shuga. Shuga, il a pris la max. Ah d'accord, et du coup on a gagné. Et c'est tout. On a marqué un point, donc on a gagné. On a détruit Shuga. De toute façon, on a plus de jersey. On peut pas capturer des gens. Freco, du coup, il a pris la max. On a une map. On a des items. Non, pas du tout. Du coup, on a plus de jerseys. Là, Freco, il est à la bourre. Mais Axolotl aussi. C'est quoi le truc jaune? Il s'affichait. Alors, t'as réussi à rassembler une équipe? Là, je suppose que tu peux plus reculer maintenant. Ah, du coup, on peut planifier un match contre Red. Être le coach de cette ville était mon rêve, un rêve qui est devenu réalité. Si tu veux me le prendre, alors. Eh bien, je suppose qu'on se verra dans l'arène. Eh oui. La coup, c'est le dresseur d'arène de la ville de Bourg-Palette. Attends, on va soigner notre équipe d'abord. Mais ça va coûter toute ma thune. Jackie a la clé anglaise et au pancake. Oh, tu étais un enfant auparavant. Alors peut-être tu as oublié, mais... His heyday, Red... Oui, dans ses meilleurs jours, Red était vraiment le meilleur des coachs. Mais ça date maintenant. Et la ligue n'oublierait jamais. Jamais, évidemment. Et il est devant. En émoi devant la pancarte de la réserve. Bah, en même temps, il est sur la pancarte. Quelque chose ne va pas avec ton lit dans le centre de Beastie Ball. Eh bien, si tu veux, tu peux te reposer ici. Ah, donc du coup, ça veut dire que j'ai déjà. Un moyen de me reposer gratuitement dans un lit à la Beastie Ball Center. Je sais pas où ce qu'il est, mais le Beastie Ball Center, du coup, c'est l'arène. Il est où mon lit, Jacqueline? Hey, Ricrac, ce sont les Beasties qu'on a rencontrés ce jour-ci. Ah ouais, ça défire. J'espère que tu vas annihiler Red avec le pouvoir de l'amitié. Mais avant ça... Ah, ton équipe est complètement restaurée. Eh bien, donner à tes Beasties... I will give your Beastie Streets any chance you give me. Oui, bien sûr. Allez, prends cet ascenseur vers le bas et quand tu seras prêt... Ouais, Red est vraiment un coach pitoyable, mais s'il perd contre une fjord comme toi, bien, il faut que je vois ça. Ouais, non, c'est Red ne va pas prendre tout ceci sérieusement. Il pourrait détruire ton équipe en une milliseconde. Il doit juste être en train de jouer avec nous. Ah, ce sera un match difficile, à n'en pas douter. Red avait pour habitude d'utiliser une équipe équilibrée et puissante de Beasties. Ils ont été les champions d'auparavant, alors leur niveau devait être faramineux. Je voulais t'offrir quelques conseils, mais honnêtement, j'ai absolument aucune idée. Tu n'as probablement aucune chance. J'attends des nouvelles de la Ligue, mais...
J'ai entendu dire du coup qu'un match allait se passer ici. Ah, attends, tu es celui qui affronte le coach en chef? Est-ce que tu n'avais même pas de bistis ce matin, non? Ah, cette ville est complètement tarée. Ils font. Ils discutent. Up to your room. Ah, voyons voir ma chambre. Waouh! Oh là là, il doit faire 70 degrés! Je suis pile en dessous de Velux. C'est ta chambre. Tu aimes évidemment ton cachette secrète dans la réserve naturelle, mais ceci est ta maison. Red te laisse rester dans la zone de stockage pendant toutes ces années puisque tu es son coach assistant. Mais coach assistant qui était un poste qui jusqu'à maintenant n'incluait même pas de coacher des beasties. Et qui n'est même pas un job officiel dans la ligue. Mais Red l'a fabriqué afin que tu puisses en avoir un. Il y a plein de choses étranges vivant ici, mais tu t'y es habitué. On peut se refaire un look. On a le lit, on a évidemment nos meilleurs amis, les balles. Oh, ils jouent! Oh là là! Oh, superbe! Arrêtez de péter le toit. Mais pourquoi t'es à travers mon lit, Jackie? Casse. Même si tu perds du coup un match classé, l'histoire continuera et tu ne perdras pas la progression de ton jeu. Et une fois que tu te rends du coup dans les vestiaires, tu ne peux faire marche arrière ou changer ton roster. T'es prêt? Oui. En même temps, j'ai pas d'autres Pokémon. C'est quoi ce mur d'escalade? Ah, c'est les douches. MDR. Je me suis dit, putain, mais. Qu'est-ce que. On atterrit directement dans les douches. Les douches qui donnent. Qui sont même pas. Genre open, quoi. Tout est open. Et même pas un mur. Alors après. Et on se douche avec nos beasties, du coup. C'est. Après avoir bien transpiré en tant que coach à crier des ordres à nos beasties. Oh là, il a 3 Pokémon, le petit bâtard! Piche, le meilleur coach gagné. Niveau 50. Un dégât, 2 dégâts. Tout se passe bien. Il craque. Je sais que le niveau de mon équipe peut être effrayant, mais Beastie Ball, c'est bien plus que juste déterminer qui est le plus fort. En fait, tu peux gagner des jeux, des parties, des matchs, sans même infliger de dégâts. Je vais te montrer. Voilà, on n'a pas trop envie de se prendre le coup dans la gueule. On va prendre tellement cher. Allez, on fait la même stratégie. En vrai, je sais pas ce que je dois faire à ce moment-là. Il m'a bloqué Spreeko. Free ball. Oh là là. Il va me... Il... Le match est rigged. Alors, voici le secret. Si tu cibles ton attaque dans une colonne vide, boum, tu vas gagner le point automatiquement. Mais ça, j'avais compris. Du coup, je suis un free ball. Volley to an opponent and skip your attack. Can always be used. Et dans quelle situation on a envie de faire ça? Bim! Attaque! Merde, je sais pas ce que j'ai fait. Il a pris refresh. De toute façon, que je fasse un pep shot ou un free ball, c'est pareil.
Mais du coup, il est nul comme dresseur d'arène avec des Pokémon pareils. Most moves target the left or right. Oui, la plupart des techniques ciblent du coup la colonne de gauche ou la colonne de droite. Mais parfois, on peut aller de côté, comme le Careful Shot de Spreco. Si ton adversaire, si la ligne, du coup, cette fois-ci la ligne ou la colonne, du coup, la ligne de face ou derrière est libre, le Saiyuan Attack, du coup, peut faire en sorte que tu marques un point gratos. Et du coup, voilà, on a choisi la colonne et bim! Avec son petit boule. Axolotl a appris une nouvelle technique, elle a pas à s'exciter. Oh non! J'arrive pas à croire que j'ai perdu! Ah, je suppose que cela veut dire que je dois abandonner d'être le coach en chef. Allez, bonne chance! Et du coup, bim, on est 1707 mondial. La créature rose trop mignonne. C'était celle qui était en arrière, là, qui est hors du terrain. Ou tu parles de mon Axolotl. Hey, Rickrack, tu as réussi. Cela veut dire que tu es officiellement le coach en chef Beastie Ball de Rutil. Et qu'est-ce que tu fous dans les bestiaires, bordel? Et cela veut dire que du coup tu es sponsorisé! Un nouveau sponsor, le Rutil Town Board. On t'enverra de l'argent chaque fois que tu gagneras un match. Et additionnellement, tous les coûts de l'auberge seront. Et les voyages seront couverts. C'est cool, n'est-ce pas? Hein, mais c'est aussi effrayant. Le Beastie Ball ne sera pas juste pour t'amuser. Je ne sais pas tout ce que ceci veut dire et ce qui va t'arriver, mais peu importe ce qui arrive, je serai toujours avec toi. Eh bien, si ce n'est pas le nouveau coach, t'inquiète, loser. Tu m'as laissé gagner, n'est-ce pas? Qui gagne ou qui perd, cela n'a pas d'importance. Le Beastie Ball, c'est juste pour s'amuser. Peu importe ce que c'est maintenant, ce n'est plus pour moi. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es embarqué, n'est-ce pas? Hey Crack, as-tu déjà regardé des animés de sport? Je ne crois pas en les animés. Oui, bien sûr. Eh bien, tu sais ce qui t'attend. La Ligue est composé de coachs très talentueux qui veulent tous évidemment monter en rang. Si tu veux arrêter le projet de stade de Rutil, tu dois vraiment attirer l'attention de la ligue. Et ça veut dire te qualifier pour les Crown Series. Les Crown Series, c'est un championnat qui pour seulement les 50 meilleurs coachs. Tu dois partir à l'aventure et vaincre des coachs réputés afin d'atteindre ce rang. Les coachs ranked classés ont été rajoutés à ta map. Vas-y, va les vaincre afin d'augmenter ton rang. Même si tout se passe bien, les chances que tout ceci fonctionne, eh bien... Bon, peu importe. C'est ta vie. Hey, prends ceci avec toi. De nouveau Jazzy. Ce sont les derniers que tu recevras gratos, hein? Hey, bonne chance. Tu en auras besoin. Et c'est la fin de la démo. Merci d'avoir joué. Lorsque le jeu complet sera en vente, tu pourras continuer du coup, cette aventure depuis ce fichier de sauvegarde. Pour le moment, n'hésite pas à continuer à explorer la démo et à jouer avec les beasties aux alentours. Nous avons aussi
Une newsletter pour des informations, des updates, des mises à jour de dev et des infos croustillantes behind the scene. Oui, d'accord. Ah, enter your email. On va se calmer. Du coup, ils ont intégré ça. Ah, attendez, on va le cacher et puis on va le rentrer. Je sais même pas c'est quelle capture qu'il utilise.